Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on redresse une face quand on a une pierre qui est brute comme cela sur le côté. Tout d'abord, prendre le niveau le plus bas. Attends. Et vous tracez avec l'équerre. De là, je prends donc un marteau qui pèse 1 kg et une chasse pour chasser la pierre. La chasse sert à faire partir de grands morceaux de pierre. L'outil ne doit pas être trop droit, ne doit pas être trop comme ça. Et il ne faut pas avoir peur de taper un bon coup pour faire passer la pierre. La limite, malgré ça, il reste encore des bosses et les bosses vont être enlevées avec la pointe. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est redresser ici le champ pour pouvoir donc redresser la face complète, mais avant ça, pour enlever cette bosse-ci pour que j'ai quand même plus facile avec le ciseau. Donc je vais enlever la bosse avec une pointe. Non plus descendre plus bas que la ligne, sinon il faut recommencer depuis le début. Thank you.
on fait ça, ne jamais aller avec la pointe ici sur le bord. Parce que si vous allez ici sur la pointe avec le bord, on va partir. Donc le bord là, le point, il risque de casser ici. Il faut toujours s'arrêter, disons, avant les 3 quarts. Si on doit reprendre une bosse par là, on tourne la pierre et on la prend dans l'autre sens. Assez dur. C'est pour ça aussi qu'il faut un certain temps avant d'arriver d'enlever les grosses bosses. À partir du moment où on a enlevé la grosse bosse, il y a plusieurs possibilités. Il y a la craquer. Jamais aller trop loin quand on est sur le bord, sinon le bord pourrait partir.